Deeper still? The power of prayer protects me. I gave her life to bring her back. They hurt me, and I'll make suffering pay them back. The plague will kill us all. Secrets must not know my secrets. I want you in this world. He needs us. The other has come for the Chosen One, and soon the veil will break. The suffering cannot continue. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Other Side sur PlayStation 4. Édité et développé par Focus Home Interactive et Lightbulb Crew, note moyenne de 15,5 sur 20 sur Metacritic, sorti officielle le 28 juillet 2020 et Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans. Il s'agit d'un tactical gestion à la sauce Die and Retry. Sans plus attendre, je vous parle du menu avant de se lancer dans du gameplay. Vous voyez qu'il y a une ligne chronologique en bas de notre écran. Il s'agit des différentes phases que nous aurons à faire avant d'affronter un mini-boss en milieu de réminiscence. C'est ce que, comme ça que le jeu appelle cette ligne historique que l'on doit parcourir. Pour terminer sur un énorme boss auquel je ne peux accéder, comme vous pouvez le voir, j'ai beau faire flèche du haut, je ne peux pas aller affronter le boss qui est écrit vers la gauche de l'écran. Vous pouvez attaquer jour par jour avec l'aide de 3 personnages pour ensuite arriver jusqu'au boss final. Je vous parle plus précisément du menu qui va vraiment nous intéresser, qui est le vide intérieur. Pour vous resituer un petit peu et vous expliquer quels sont ces personnages, il s'agit de sœurs. Vous pouvez en créer autant que vous voulez tant que vous avez des unités à transférer dans le bassin de naissance qui se trouve ici. Vous voyez que j'ai 400 unités en haut à gauche de mon écran. Tant que j'en ai un certain nombre, je peux créer pour remplacer des sœurs. Pourquoi je dis remplacer? C'est là que le Die and Retry vient se mettre dans le jeu. Il y a un cimetière, vous allez en perdre des sœurs et pas qu'un peu. Le jeu est quand même assez compliqué et si vous n'avez pas l'expérience du style tactical, sur fond de board game, un petit peu, pour vous citer une comparaison, je sais pas quel jeu... À quel jeu on a pu tous jouer durant notre enfance? Dofus, par exemple. Vous avez un système de tour par tour sur des cases, un board auquel il faut vous déplacer en surveillant vos points de mouvement et vos points d'action, qui d'ailleurs dans le jeu est la même chose. Ça entamera la même barre d'action. Eh bien, il faudra jauger en fonction de votre adversaire pour pouvoir l'attaquer une jusqu'à deux fois avant son tour. Si ce n'est pas le cas, vous risquez forcément de perdre vos personnages. Vous avez pour l'instant 3 classes de personnages, à l'épée, au pistolet et bouclier et lance, qui sont plus communément un DPS offensif, un soutien à distance et un tank multitâche. Vous avez le codex pour en apprendre un petit peu plus sur le lore, et le lore je vais vous en parler brièvement. Dans le menu principal, vous avez pu voir cette personne rougeâtre en bas à gauche, il s'agit de la mère des sœurs. C'est la première entité qui essaie de protéger le monde de monstres essayant de l'envahir. Depuis la nuit des temps, les ténèbres essayent de s'emparer du monde. Vu, comme vous pouvez le voir, que le décor est en noir et blanc, c'est assez sinistre. On a un petit côté à la Sin City avec juste des teintes de rouge apparentes. Ce personnage, vous l'incarnez dans le tutoriel et se fait tuer parce que les monstres appellent l'élu. Le Chosen One
tue la mère de toute sœur, mais son pouvoir permet de faire naître autant de sœurs que possible pour qu'elles puissent se battre à sa place et faire régner à nouveau l'ère de lumière dans notre monde. À savoir, pour en revenir à la réminiscence, que je n'affronterai pas directement le boss après mes plusieurs jours de combat. Il faudra qu'elle se repose entre chaque jour, ces fameuses sœurs. Mais également, je vais peut-être devoir recommencer du début, car il se peut que au jour 2 ou 3, le jeu soit déjà trop dur pour moi. Vous pouvez donc enclencher la prochaine réminiscence, ce qui va vous donner un certain nombre d'éclats à activer pour augmenter vos personnages, et pouvoir ainsi négocier les futurs jours qui semblaient être trop durs pour vous avec plus d'aisance au prochain try. Sans plus attendre, on va se lancer dans une phase de gameplay. On est donc parti pour le jour 1. A savoir que bon, pour ce test gameplay découverte, j'ai forcément recommencé le jeu. Donc la première game vous semblera assez facile, ce qui est assez trompeur dans ce genre de jeu, car comme je vous l'ai dit, quand vous n'avez pas trop l'expérience, le prochain jour, vous pensez que vous allez le négocier avec autant de facilité que le premier, et puis là, il va de suite vous faire revenir les pieds sur terre, quoi. Vous le voyez, la barre de chronologie, je dois déplacer mes unités et savoir où les placer en fonction de jusqu'où va l'ennemi, pour ne pas qu'il m'attaque quand c'est son tour à lui. Faire attention que je reste à peu près dans 50% de points d'action, car si je vais en dessous, je rentrerai dans ce qu'on appelle la rage. C'est-à-dire que quand je finis mon tour, mes personnages, eux, reviennent au milieu du timelapse, alors que les ennemis, eux, dépassent allègrement les 50 unités de tour. Mais si je rentre en rage, eh bien, je déborde de 50 jusqu'à arriver à 100, et là je prends un retard très conséquent sur les adversaires. Comme je vous l'ai dit, bien jauger les déplacements et les attaques pour être sûr de pouvoir taper au moins deux fois l'adversaire. Toi, hop. A savoir que vous pouvez bien sûr au préalable choisir quelle attaque lui mettre pour savoir quelle sera la plus efficace sur ses points de vie. Comme j'ai un autre personnage, autant l'utiliser pour le terminer et ne pas... Parce que je peux arriver jusqu'à 100 en tour de jeu, mais si je rentre vraiment dans la rage de 50 jusqu'à 0, je peux même griller au-delà de 50. Je peux même monter parfois jusqu'à un malus de 110. Donc certes, mon personnage reste dans le point numéro 100, mais vous voyez qu'il y a écrit aussi moins 10 à côté parfois. Enfin, c'est des malus, ça n'arrivera qu'au fur et à mesure du jeu, mais je réfléchis un petit peu trop avec l'avancée personnelle que j'ai dans le jeu. C'est pour ça que là, je fais des erreurs. Je sais que je suis limité avec les compétences de mes personnages, mais en même temps, bon, c'est pas grave, au moins ça me mettra un petit handicap. J'ai certes l'expérience, mais... Dans les tacticales, je me repose parfois un petit peu trop sur mes acquis. Sachant que je suis un très grand fan du genre, c'est pas le board game qui me plaît le plus dans ce jeu, mais le côté tactical, vu que je suis un énorme fan de la saga Valkyria Chronicle. C'est tout simplement... Je l'ai découvert sur PS3, et même encore aujourd'hui, ça reste mon jeu préféré, tout jeu confondu sur PlayStation 3. Et ceux qui connaissent les tacticales doivent se dire « Ah, oui, on accepte ton choix, Valkyria est un très très bon jeu. » Ça doit peut-être paraître abstrait pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ce style de jeu parce que le graphisme vous a peut-être tapé dans l'œil et vous allez vous dire « Ah merde, c'est un tactical, c'est pas du temps réel, c'est du tour par tour. » Ouais, c'est du tour par tour, mais franchement, enfin, je veux pas dire, mais bon, ce qui a donné vraiment ces lettres de noblesse à la Sega Final Fantasy, c'était le tour par tour, hein, avant qu'on ait un FF... le désolant FF 10-2 qui commençait à quitter un petit peu l'esprit tour par tour. J'ai pas trop aimé les derniers FF personnellement. Le son est quand même assez incroyable, ça pousse l'immersion. Je sais pas, cette espèce de monde un petit peu sinistre me fait penser au film... Vous savez, les trois films qu'il y a eu sur le préquel, sur les prémices de l'histoire de Berserk, avec Guts, l'histoire de Casca, Griffith, tout ça. Ça fait penser un petit peu à ce monde-là, je sais pas pourquoi.
Une victoire, bon, tranquille, hein. Mais bon, je vais quand même faire une deuxième pour vous montrer que la difficulté monte un petit peu. Ce serait dommage de s'arrêter à même pas 10 minutes de gameplay découverte. Une fois que vous gagnez, vous récupérez donc du coup des points d'expérience. Inutile d'aller créer une nouvelle sœur si vous avez encore vos sœurs actuelles. Autant économiser vos points de géminescence. Suffering has lost the link here. For now. Une fois qu'elles ont assez d'expérience, elles débloquent donc une nouvelle attaque. Quand vous la sélectionnez, vous avez le choix entre deux. Et vous devez choisir entre les deux attaques que vous propose le jeu avant d'en débloquer une nouvelle. Elles débloqueront aussi des passifs, ce que l'on appelle des traits. Et ça, c'est intemporel, ça restera dans le personnage et ce sera du bénéf pour vous. Alors, la gun Styler, qu'est-ce que c'est déjà? Ah ouais, le tir sauté, ça je l'avais pris, ça c'est pas mal. C'est une unité quand même qui est un petit peu squishy, mais qui du coup, grâce à cette attaque, peut fuir avec assez d'aisance. Vous avez bien entendu aussi la possibilité dans le jeu de fuir si le combat est vraiment trop dur pour vous. Mais fuir ne vous fera pas forcément tout perdre, mais vous abandonnerez forcément les sœurs présentes sur le terrain. Voilà, c'est le prix à payer. Je passe donc en jour 2. On se déplace de plus en plus dans le chemin matérialisé par une sorte d'artère qui mène à ce cœur au milieu. Et là, vous voyez que la difficulté a un petit peu changé. Je me rappelle que difficile, quand même, j'en avais bien chié au début. Pourquoi je ne peux pas choisir les sœurs? Je ne peux pas y accéder? Qu'est-ce que c'est, cette... Quelle est donc cette sorcellerie? Je pouvais même plus cliquer. Ça doit être un lag interne au jeu. Ah ben voilà, c'est bon, je peux choisir les sœurs quand même. Me fais pas ça pendant une vidéo, bordel. Notre trio est fait et maman nous envoie combattre les méchants. Personnellement, moi j'ai quand même de suite adhéré à ce mode de jeu. Vous avez aussi, ça me rappelle, bien entendu, bon, pour citer des jeux un petit peu plus récents, parce que je cite du Valkyria, j'ai parlé d'Ophus pour le board game, vous avez XCOM, mais bon, dans la série un petit peu plus science-fiction avec des aliens, etc. Mais ça reste dans l'ensemble, j'ai envie de dire dans l'ensemble, pas complètement, mais c'est assez similaire, quoi. La touche L1 et R1 de votre DualShock 4 vous permet de switcher entre votre personnage ainsi que les ennemis de façon croissante sur la timelapse pour voir jusqu'où ils peuvent se déplacer. C'est toujours assez important de pouvoir voir, parce que le premier tour ce sera toujours vous qui allez commencer, vu que vous êtes plus rapide. C'est assez rare de rencontrer des ennemis qui sont déjà beaucoup plus rapides et qui commencent sur la timelapse par rapport à vous. Mais c'est pour ça que le placement est crucial dès les premiers tours, avant d'attaquer. Donc là, pour information, j'ai amené le tank et je me suis mis en défense au cas où qu'il m'attaque. Mais là, je suis derrière l'ennemi, ce qui me fait faire un backstab. Petite cinématique. L'ennemi, quoi qu'il arrive, vous suivra du regard, à moins qu'une sœur soit déjà dans une case adjacente. À ce moment-là, il sera focus sur elle. Prenez une deuxième sœur pour pouvoir l'attaquer dans un angle mort. Sur les côtés, c'est ce qu'on appelle un coup en flanque, qui fait quand même plus de dégâts. Derrière, vous avez ce qu'on appelle le backstab, un coup par derrière, et qui là est un critique, avec une multiplication de dégâts incroyable. Vous voulez faire du one-shot, il vous faudra forcément être en supériorité numérique face à l'ennemi, un 2v1, forcément pour pouvoir tirer avantage et appliquer cette méthode. Malheureusement, le jeu, la supériorité numérique, vous ne l'aurez pas dès le début. Les ennemis seront toujours plus nombreux que vous, ce qui est assez complexe. De toute façon, dans les tacticales, on ne le répétera jamais assez, mais c'est au début qu'on sait de quel côté sera le vainqueur. On le sait dès le début. Eux, ils ont peu de vie, c'est pour ça qu'avec mon Gunstyler, je peux en profiter.
Normalement, je suis limité qu'à une attaque, mais bon, j'en ai fait deux. Je mords un petit peu, mais je reviens à 50. Ça va. Vous voyez, quand même, on perd de la vie quand même assez facilement. Ça, c'est l'ennemi le plus faible quand même sur le board, et il me met presque aux trois quarts. C'est assez... Ça c'est chaud, quoi. Allez, hop, petit flank. Vous voyez, il y a écrit flanqué, donc on met forcément du critique. Pas énorme, mais un critique quand même. C'est pas négligeable. Ces maîtres pestes en bas, là, ils me cassent un peu les bonbons, parce que j'ai juste peur d'une chose, c'est qu'ils se... qu'ils mettent l'armure. J'allais bloquer le nid pour éviter qu'il naisse. Et ensuite, on s'occupera de lui. Il a 1000 et quelques de vie quand même. On va être raisonnable. On va passer le tour. On fermera le nid plus tard. Mais pas l'armure, hein. Mais pas l'armure. Hein. Le fils de... Il a mis l'armure. Bon, pendant un tour, c'est quasi impossible de lui mettre des dégâts. Bon, l'autre, il est né. Vous voyez que votre objectif est en haut à droite. Hein. Il y a quand même un objectif à chaque board. Mais au final, difficile, j'ai l'impression que je m'en sors quand même un peu plus. Hein. C'est bizarre, hein. j'avais vraiment l'impression d'avoir galéré les premières fois. Après, en même temps, je jouais pas sur le placement, je fonçais tête baissée dans les ennemis, je voulais voir de quoi le jeu était capable. On m'avait dit un petit système die and retry avec le jeu qui pardonne pas. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'en ai chié ma race en fait. J'ai pleuré ma mère, sérieusement, au début. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est pas des conseils bons à prendre, mais bon, c'est une logique, on va dire, qui est implacable sur ce genre de jeu. Allez hop, on va essayer de le fermer du coup. Je peux pas. Vous voyez, voilà, je me suis reposé sur mes acquis, j'ai pas la puissance nécessaire encore pour aller attaquer les nids avant qu'il n'éclos. Quelle horreur. Bon, c'est un mec à distance. C'est un gars à distance, donc voilà. Les mecs au pistolet cherchent toujours d'abord à vous fuir avant de vous frapper. Parce qu'ils ont besoin d'un tour pour pouvoir charger leur arme et vous tirer dessus. D'où le fait qu'ils se mettent à distance. Bon. C'est une chance énorme hein, que j'ai de la part du jeu d'être tombé sur un nid ou est-ce que c'était un distance qui allait naître. Donc, bon. Mais, ouais, tant que j'ai pas la compétence pour refermer les nids, en fait, je... Ça ne me sert à rien. La mettre là et on va protéger les unités. Ça c'est plutôt sympa à faire, ça je le faisais pas au début. Du coup je comprends mieux pourquoi je me faisais démonter. Vous sacrifiez une partie de vos PV pour protéger vos alliés. Dans le rayon rouge autour d'elle, elle attaquera quiconque attaque ses sœurs. Cinématique enclenchée. Voilà, on a bloqué le coup et il ne m'attaque pas. On la counter, et ça c'est magnifique. Je me déplace derrière, je suis seul, c'était juste pour vous montrer. Hein. Il me suit du regard, donc là je ne peux pas lui faire un critique, mais c'était pour vous montrer que s'il n'y a pas de sœur à côté de lui, il ne me lâche pas du regard, tout simplement. En fait, difficile, j'y suis plutôt bien arrivé. En fait, je voulais aller dans du difficile, déjà pour votre plus grand plaisir et ma plus grande souffrance, mais c'était surtout pour perdre une sœur. Et même s'il s'agit d'un test découverte et que j'ai ma partie à côté, je m'attache trop à mes personnages et j'ai pas envie de les perdre. Donc au final, ce que je vais plutôt vous montrer, c'est comment naît une sœur. On va juste en créer une et on va pas en perdre une. Parce que j'ai pas envie en fait. Je me suis trop attaché. Ça me fait penser à un autre animé aussi. Je sais pas si vous connaissez, c'est un animé incroyable que j'ai dévoré aussi en manga. J'attends impatiemment une suite, malheureusement il n'y en aura jamais, mais bon. C'est Claymore. Claymore, c'est ces femmes guerrières armées d'épées qui s'appellent des Claymores, forcément, d'une tenue un petit peu grise-argentée. Et ces femmes combattent les démons. Et ça me fait énormément penser à ça, d'avoir que des guerrières, des femmes qui s'appellent sœurs entre elles. Ce manga, ou un animé, si vous n'avez jamais eu l'occasion de le découvrir. Sur Dailymotion, vous avez même tous les épisodes.
Claymore, je vous foncez, franchement, c'est, il est dans mon top 3 de mes mangas préférés. Derrière One Piece, qui est mon premier, mais le deuxième, c'est Claymore, clairement. Donc j'ai débloqué un trait, vous le voyez, c'est un nouveau passif pour le personnage. Personne au cimetière, et on va donc du coup créer une sœur, c'est histoire de vous montrer juste l'animation. Et voici comment on crée une sœur, et ensuite après on peut forcément ou la renommer, mais j'aime bien franchement les noms que donne le jeu, c'est peur, innocence, malice, enfin, c'est assez stylé. Et vous choisissez donc la classe que vous allez lui donner, mais bien entendu elle redescendra niveau 1. Jusqu'à que vous ressuscitiez la guerrière en question que vous avez perdue, et elle reviendra avec toutes ses stats. Sur ce, on va donc s'arrêter là, en espérant que ce test gameplay découverte vous aura bien plu. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain gameplay découverte. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao !